Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers inconditionnels de Gawaïfo, merci pour votre fidélité à notre page. Bienvenue dans votre invité du jour. L'émission invité du jour reçoit monsieur le docteur, le docteur Abdulbaki Ibrahim Diallo, leader politique du cercle dans son groupe. Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, monsieur Koulibaly. Est-ce que vous pouvez compléter un peu votre présentation à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, c'est Gawaïfo. Merci, moi c'est docteur Abdulbaki Diallo. Je suis médecin. Je suis aussi ancien député d'Ansongo pour la 6e législature. Et je suis leader politique du cercle d'Ansongo, principalement de l'Union pour la République et la démocratie. L'IRD. Merci, M. Diallo, pour avoir accepté notre invitation. M. Diallo, qu'en est-il de la situation sécuritaire dans le cercle d'Ansongo? Merci. Je crois que, comme tout le Mali, ces derniers temps, Ansongo, quand même, pour en venir à la sécurité, Ansongo est l'une des zones les plus en insécurité au Mali. Et malgré la présence de l'aménagement, des forces Takuba, des forces Barkhane et toute la logistique qui en est derrière, il y a les FAMA aussi. Ansongo a connu, surtout en fin d'année 2020, la deuxième moitié de 2020, des cauchemars. Ansongo était invivable, était insoutenable. Bon, ces derniers temps, j'avoue que les populations commencent à respirer, les populations commencent à respirer. Est-ce que c'est effet instructeur, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sentons un peu de répit dans les attaques terroristes. D'instructeur russe, il paraît qu'il y a des mouvements russes dans la zone de, dans son cabinet réellement. Non, personnellement, je ne crois pas. Je n'ai pas eu d'informations parlant de l'instructeur. Je crois que les Russes ne sont pas arrivés encore dans le cercle dans son goût, même si vous voyez, quand vous regardez la zone de les zones d'intervention actuellement, les zones de Bankas, de Koro, c'est pas très loin en réalité de certains secteurs dans son goût et de Gao. Donc, ça peut avoir des effets sur le cercle dans son goût, mais je crois à ma connaissance, les Russes ne sont pas encore arrivés dans le cercle dans son goût. Les Russes ne sont pas. Même si nous le souhaitons vivement, okay. Les populations ne guettent que la présence des Russes. D'accord. Maintenant, la situation sécuritaire, comment la population arrive à vivre avec cette insécurité dans le cercle d'ensemble? Je crois que les gens sont, comme il faut le dire, nous on aime le dire en médecine, les gens sont dans le surmoi. Ok. Les gens ont compris que c'est la résilience. La résilience. Okay. Il faut attendre et puis il y a les vieux sages qui conseillent, qui font aux gens que tout événement qui vient dans le monde, dans l'humanité, est passager, et que les gens doivent se serrer la ceinture, doivent se tenir les coudes pour pouvoir traverser cette période, cette forte période de tribulation. Donc c'est ce qui a fait que Ansongo a tenu. D'accord, et les déplacés dans le cercle d'Ansongo, il paraît qu'il y a plusieurs déplacés qui ont quitté Karou, Ouattara, et Tassiga, Bentia pour venir vers Ansongo. Il y a eu beaucoup de déplacés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois d'août, il y a quand même des tirs de masse au niveau de Karou et de Ouattara qui a fait que les populations avaient eu peur à un moment. Ils sont tous venus à Ansongo et certains villages aussi de la commune ont été vidés à un moment. Mais ces derniers temps, les gens sont en train de quand même de retourner, même si c'est timide, il y a quand même des gens qui ne peuvent, des leaders qui ne peuvent plus retourner chez eux. Mais le citoyen lambda commence à regagner leur village, même si c'est un peu timide. Les déplacés, est-ce qu'ils ont été assistés par les autorités, par les leaders politiques comme vous? Vous savez, c'est ce qui fait la beauté du Mali, c'est les relations humaines. Les gens qui ont quitté les autres villages pour venir à Ansongo, ils ne se sont pas sentis comme des étrangers chez eux, comme des étrangers ensemble. Ils ont été accueillis, chacun dans une famille, avec un peu de solidarité. Les ONG aussi ont beaucoup fait, ça je les remercie. Les ONG vraiment ont travaillé. Il y a aussi les autorités qui ont fait des interventions. Et tout ça a permis à la population de supporter un peu le calvaire de ces derniers temps. Docteur Diallo, parlons de la transition des sanctions de la CEDEAO.
la CEDEAO et l'UEMOA viennent de prendre des sanctions vraiment contre, je veux dire, pas contre la transition, mais contre le peuple malien. Qu'en est-il? Vous avez constaté, comme tout le monde, moi ce qui m'a étonné, j'ai essayé un peu de suivre le film. Avant même que le Nefnali, l'UEMOA qui se réunit au Ghana, dans un pays qui n'est pas membre de l'UEMOA. Mais il paraît que la même situation en train de. On a l'habitude de voir cette même situation par le passé. L'UEMOA et la CEDEAO, ils ont l'habitude de faire des rencontres ensemble. J'ai dit pour la première fois, il y a un pays non membre de l'UEMOA. Okay. J'ai dit le Ghana n'est pas membre de l'UEMOA, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Et puis avant, on dit. Moi, j'ai suivi bien, c'est un film que j'ai bien suivi. D'accord. Avant même que les autorités de transition, quand même, ont montré, ce que j'ai beaucoup aimé, les autorités de transition ont montré leur bonne foi, leur disponibilité au dialogue jusqu'à la dernière seconde. Et ils continuent de le montrer d'ailleurs. Ils ont dit, on a dit 5 ans. Moi, je pense que si la CEDEAO était de bonne foi, ils allaient dire, non, on ne vous donne pas 5 ans, on vous donne 6 mois, on vous donne 12 mois, on vous donne 2 ans, on vous donne 3 ans. On allait au moins comprendre la bonne volonté de la CEDEAO dans le souci d'aller aux élections. Je vous apprends que, personnellement, moi, je suis leader politique. Notre problème n'est pas la démocratie actuellement. Je crois que c'est même l'un des problèmes. C'est la démocratie est l'un de nos problèmes que nous avons. C'est parce qu'on a mal compris, on a mal interprété et on a mal joué notre rôle de démocratie. Mais à qui la faute? C'est la faute aux leaders politiques, la faute aussi au guidage international. Okay. Guidage, parce que vous n'êtes pas sans savoir, fait à l'âme de Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali n'était pas dirigé par le Mali, le Mali était dirigé carrément de l'extérieur. Et de l'extérieur par des experts qui ne savent rien des réalités du Mali. Chaque fois tu vois des experts sur France 24, des experts sur LCI qui parlent du Mali, qui n'en savent absolument rien et se disent spécialistes du Mali. Maintenant, pour revenir à la CEDEAO, j'ai dit que la CEDEAO, le coup était préparé. Quand je parle, je te dis, par exemple, quand je regarde un peu le tube de je vais faire référence au tube de Charles Dania, les gens sont partis chez Alassane, on dit, voilà ce que les assises nationales ont donné, voilà ce que nous proposons. D'accord. Mais il n'y a pas eu de réponse. La réponse était qu'on va vous sanctionner. Mais c'est par rapport au nombre d'années qu'ils avaient pris pour dans leur chronogramme. Non, moi je ne vois pas le nombre d'années comme un chaos. Moi je vois, pour moi, je suis politique, mais je me mets à la place des citoyens. Ce qui importe, d'accord, c'est l'impact de la gouvernance sur ma vie. D'accord. Ça, c'est primordial. Moi, si je suis rien dans le président. Quel qu'en soit le président qui va venir, s'il n'y a pas d'amélioration pour les populations, c'est zéro. Et là, moi, je soutiens sans calcul politique. Avec toutes mes forces, cette transition en cours, parce que la transition, là où on a failli, elle est en train de réussir. Elle est en train de réussir sur le plan militaire, elle est en train de réussir sur le plan de la gouvernance. Parce que c'est ce qui a fait qu'on s'est effondré. Il n'y avait pas de gouvernance. D'accord. Il n'y avait pas aussi. Bon, quand on dit gouvernance, je pense que la gouvernance aussi a un impact sur la sécurité. Tout le système de gouvernance, qu'il soit politique, qu'il soit militaire, était le chaos. D'accord. Et donc, le citoyen lambda aujourd'hui, sa préoccupation n'est vraiment pas une élection. La préoccupation, c'est vivre mieux, vivre en sécurité, pouvoir aller travailler ses champs, pouvoir aller perdre ses animaux là où il y en a, parce que chez nous, quand même, il n'y en a plus. Okay. Et donc, vraiment, c'est ça le souci aujourd'hui. Tout gouvernement, toute action politique qui va dans ce sens aura notre soutien. Et comme je l'ai dit, la CEDEAO n'a pas respecté ses propres textes. D'accord. Quand j'ai écouté. Le président du Niger, il a dit clairement devant Emmanuel Macron que les fermetures des frontières n'étaient pas prévues. Moi aussi, j'ai eu le temps de dire un peu, n'étaient pas prévues dans les textes de la CEDEAO. Et donc, on ne voit pas comment la CEDEAO, qui veut être légalitaire, qui veut encourager la démocratie, viole ses propres textes en voulant appliquer la démocratie. Ça, je suis vraiment désolé. Vous êtes un soutien fermant de la transition, docteur Diallo. Croyez-vous que les sanctions vont impacter sur la vie des populations ou sur l'avancement du Mali? Les sanctions auront un impact sur les populations, ça c'est d'emblée. C'est pour que moi je ne dis pas que c'est la transition qui a sanctionné, c'est le peuple malien qui a été sanctionné, parce que le peuple malien, je vous le dis, se retrouve dans cette transition. Pour la première fois, j'ai vu un gouvernement qui joue de 80 à 90% de soutien de la population. Quand tu causes avec les apprentis, quand tu causes avec les transporteurs, quand tu,
tout le monde a l'impression que ça va mieux sous cette transition-là que sous les gouvernements, entre parenthèses, démocratiquement élus. D'accord. Nous avons vu le vendredi passé un grand mouvement populaire pour soutenir la transition de Kayes-Vedure jusqu'à Menéka. C'est inédit, c'est la première fois que ça arrive. Même du temps de M5, il y a eu des manifestations. Moi, j'ai vu des manifestations à Kao, des manifestations à Sigasso. Mais il n'y a jamais eu une mobilisation pareille. Et pour la première fois, la mobilisation, chacun est parti de ses propres moyens. Il n'y a pas eu de location de sous-tramas, il n'y a pas eu de puits de carburant pour X, pour Y. Les gens se sont retrouvés volontairement à la place de l'indépendance pour montrer leur soutien à la transition, pour dire aussi à la communauté internationale que notre problème, ce n'est pas l'élection, nous le soutenons et nous demandons solidaires des actions entreprises par ce gouvernement de transition. Moi, j'étais là-bas, j'ai d'ailleurs prié la prière du vendredi à la place de l'indépendance. C'est avec fierté que je l'ai fait. J'ai manifesté du temps de M5 aussi, mais je n'ai jamais vu une mobilisation aussi importante que la mobilisation du vendredi 14. Et dans toutes les zones du Mali, il y a eu à Kaye, il y a eu à Sikasso, il y a eu à Mopti, il y a eu à Gao, à Menaka, c'est inédit qu'il y ait des mobilisations comme ça. Inédit qu'il y ait des mobilisations. Le secret pour cette grande mobilisation, pour vous, vous voulez lui avoir? Non, le secret, le Malien se sent vexé dans son... se sent humilié, se sent trahi par la CEDEAO. Et puis, deuxièmement, nous voulons montrer, tous les Maliens qui ont manifesté, ont voulu montrer qu'ils sont entièrement d'accord avec la ligne de la transition. La ligne de la transition, restons toujours avec cette grande mobilisation. Vous croyez que ce peuple qui est sorti manifester leur soutien et désapprouver les sanctions de la CEDEAO donne une légitimité à la transition? Et je pense que je ne veux pas exagérer, mais je ne pense pas qu'une démocratie va avoir élire des gens qui auront une légitimité plus que cette transition-là. Si c'est la légitimité apporte du moins attrait avec le soutien populaire, cette transition-là a le soutien populaire, mon frère. Ils ont vraiment le soutien populaire. Qu'on échange avec les villageois, échange avec les intellectuels. Il faut aller dans le peuple pour comprendre qu'ils ont le soutien. Ils ont le soutien maintenant. Ils ont le soutien parce qu'ils ont commencé à avoir des résultats. Et encore plus, c'est parce qu'ils commencent à avoir des résultats sur le vécu des populations. Okay. Et le résultat, pour nous aujourd'hui, nous avons... Moi, je voulais plus avoir la CEDEAO quand on se faisait éliminer par centaines, quand on se faisait brûler dans les cars, quand on se faisait... Je n'ai jamais su qu'il y avait une force en attente de la CEDEAO qui pouvait intervenir. D'accord. Avant que cette machination, moi je sais que si c'est une machination de l'occasion passée, une machination de la France, maintenant mettre le Mali sous son jeu. Ah. Docteur, pour vous, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de ces sanctions? Non, je crois que les gens ont dit, le Mali a déjà entrepris des actions, il faut chercher d'autres partenaires. D'accord. Il faut continuer à négocier, sinon il faut aller radicalement, il faut rompre avec la CEDEAO, quitter la CEDEAO. Le radicalisme, vous croyez que c'est une solution? Non, mais quitter la CEDEAO, on n'a pas le choix. C'est la CEDEAO qui nous a chassés. C'est la CEDEAO. Nous, on n'a pas jamais, le Mali n'a jamais dit qu'il va quitter la CEDEAO. Mais si la CEDEAO nous met dans une situation inconfortable, on est obligé de prendre notre destinée en main. Et puis, d'après certains experts que j'ai écoutés, dès qu'on quitte la CEDEAO, les sanctions sont caduques. Il n'y a plus de légalité. D'accord, docteur, nous restons toujours avec vous. Vous êtes un leader politique de l'IRD. Dans le CERF, vous avez même été député de la 16e législature. À l'IRD, il y a beaucoup de mouvements ces derniers temps. Qu'en est-il réellement au sein du parti? Le feu Soumaïla Cissé. Il faut dire que c'était prévisible. C'était prévisible parce que Soumaïla, c'est quand même le ciment qui unit plusieurs groupes. D'accord. Et bon, et n'étant plus là, il est tout à fait normal que les gens se ressaisissent et puis essayent de voir la direction dans laquelle il faut marcher. Maintenant, je vous dis, moi j'étais au congrès extraordinaire du 16, qui avait d'ailleurs mon soutien. D'accord. On ne pouvait pas continuer dans la situation dans laquelle on vivait. Mais ce congrès, les résolutions du congrès ont été un peu, je vais dire,
critiqué par certains leaders de l'IAPLE qui ne se reconnaissent pas. Non, il y a des leaders qui ne sont pas partis. C'est pourquoi j'ai précisé que j'y étais. Oui. Pour montrer que j'ai quand même une position et donc peut-être que ce que je vais dire va forcément avoir un lien avec ma position. D'accord. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai participé au congrès. Nous avons fait des résolutions et nous avons choisi M. Gwagnon Coulibaly comme président du parti à la place de Feu Mela Cissé, paix à son âme. Maintenant, ce qui a amené tout ça, c'est qu'il n'y avait pas, l'IAD n'était pas dirigé. D'accord. Il n'y avait pas de réunion de peine, il n'y avait pas de réunion de SE. Aucune instance, il y a quand même un petit groupe qui s'est retrouvé quelque part, qui se retrouve d'ailleurs quelque part, qui décide, qui écrit, qui porte des notes, qui montre des résolutions au nom de l'IRD, ok. La majorité du BEN ne participait pas. Et donc, les gens ne pouvaient pas continuer comme ça. Moi, je suis démocrate. Le fait démocrate, je l'accepte. Et je crois que la réunion qui s'est passée a montré quand même que la majorité est là. Il y a quelques leaders qui ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser, on n'a pas touché au poste des uns et des autres. Le congrès extraordinaire avait un seul point, c'est prendre un président. S'il doit avoir, si les postes devaient être touchés, c'est dans les prochaines, peut-être une autre conférence extraordinaire pour redynamiser ou faire quelque chose sur le domaine. La réunion passée, c'est pour choisir le président à la place de Soumila. Et ce président-là, nous voulons avoir un président fédérateur, comme on l'a dit. Il est fédérateur, selon vous ? Je le connais très bien. Ok. Je le connais très bien. Il va rassembler la famille. Il le connaît très bien. J'ai échangé avec lui après son élection. Je lui ai quand même dit de ne pas tenir compte des divergences, d'aller vers les gens, d'expliquer son projet, essayer d'avoir l'adhésion de la majorité. C'est important, il a déjà la majorité, mais il doit continuer à démarcher tout ce qui n'était pas d'accord, que cette conférence extraordinaire ait lieu. Et puis, on va cheminer ensemble. C'est la démocratie, la majorité l'a remporté. Je crois que tout le monde doit se mettre dans cette logique. Quand j'ai vu, par exemple, la note de... il faut dire que le problème est parti du choix du candidat à l'élection présidentielle. D'accord. Boubou Cissé est béni, Igor est béni. Bon, il y a d'autres qui pensaient qu'ils étaient les héritiers naturels de Soumela. Je vais vous expliquer tout. Okay. Les héritiers naturels de Soumela. Et donc, dès que les autres sont venus, on les a vus comme des adversaires. D'accord. Et on a commencé à insulter leur soutien. Bon, ça, c'est pas tenable pour la démocratie. Moi, j'ai vu Soumela, de son mouvement, a toujours dit, dans le parti, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouveau. D'accord. Tu entres aujourd'hui, bah, d'ailleurs... Moi, je suis très d'accord avec lui. Tu rentres aujourd'hui, celui qui est là hier, vous aurez les mêmes devoirs, vous aurez les mêmes privilèges au niveau du parti. Et ça, on se doit de le cultiver, que ça soit hier, dès que ça soit hier, pour moi, dans un parti politique, dès que vous commencez à mettre la différence entre les militants, vous créez des frustrations et vous divisez. Donc, premier élément, ça fait des couacs. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je me mets à t'insulter, je me mets à insulter tes soutiens. C'est pas démocratique. D'accord. Tu soutiens X, moi je soutiens Y, va avec tes arguments pour magnifier les compétences de ton candidat. Moi aussi je continue. Maintenant, à la fin, si on veut être ensemble, on se retrouve, on regarde, c'est la démocratie. Celui qui a la majorité des délégués et des militants devient le candidat du parti, tout le monde le soutient. Deuxième élément, autre élément après ça. Quand on a dit Soumela a été décédé en 2013-2018, bon, moi je ne suis pas trop suivi 2013, mais 2018, nous avons reçu une lettre du président du parti qui nous demandait de désigner des candidats. D'accord. Et donc, nous, au niveau de son groupe, on se réunit, on dit on n'a pas de candidat, mais l'autre candidat, c'est M. Soumela Cissé. Et je crois que la plupart des sections ont décidé de choisir Soumela comme candidat. Ok. Maintenant, cette fois-ci, Et c'est ce qui m'a un peu choqué, on dit, quand on commence à faire des réunions, on reçoit une note du président du parti, qui n'a pas fait de réunion pour ça. D'ailleurs, quand moi je me dis, une note de cette importance, avant de l'avoir, il faut réunir le BEN. Le président par intérim. Le président par intérim, pas intérim, le premier vice-président. Il n'est pas président par intérim. Le premier vice-président. Non, il est premier vice-président. Il n'y a pas eu de note, il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de validation de poste de président par intérim. Il est le premier vice-président. Il prend une note, on ne sait pas avec qui, pour dire aux sections, d'arrêter de choisir le candidat donc, par section. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au sein de... Non, c'est un flou. Mais... Moi, je suis d'accord, il y a un flou artistique qui était là. Okay.
que nous on a dit, moi j'ai dit, il y a un flou, on est tous d'accord que les textes à ce niveau-là sont un peu flous. D'accord. Maintenant, si les textes sont insuffisants, on est ensemble. Si on ne veut pas se séparer, faisons comme on a l'habitude de faire. Question de jurisprudence. D'accord. Si on, tout le monde fait comme on a l'habitude de faire, il n'y aura pas de frustration. Parce que c'est comme ça. Mais si toi, par malice, tu veux modifier, tu n'as pas de texte clair, tu veux modifier la façon dont ça se faisait avant, tu crées des frustrations et tu ne veux pas aller dans le sens de la démocratie. Ensuite, deuxième élément, on a une note, et cette note-là, le premier vice-président l'a fait sans consulter le BEL, sans consulter la SE, il l'a fait tout seul. Il n'a pas tous les pouvoirs pour faire ce genre de. Avec des menaces, les sections qui sont. Bon, je me demande, un parti politique là, déjà est volontaire, tu peux menacer les gens. Hein? Voilà. Donc, après ça, on s'était dit, les gens se sont regroupés, on dit vraiment, la solution à ça, c'est de nous chercher un président. D'accord. Parce que le président, manifestement, avec toutes les il y a eu beaucoup d'interventions, il y a eu même quand nous, on a. Avait initié une première fois la conférence nationale, les signatures pour la conférence nationale. Il y a même Assa qui a intervenu, qui dit aux gens, arrêtez, ne faites pas de pétitions, allez-y, on va vous comprendre. Bon, il a écouté tout le monde, on dit maintenant, après discussion, on va aller à la conférence nationale. Ah, la conférence nationale extraordinaire. La conférence nationale extraordinaire est finie en queue de poste. Il n'y avait pas de résolution. Il n'y avait pas de résolution. Imaginons, nous on a quitté en Zongo pour venir. J'ai eu l'impression que je suis venu pour rien, parce qu'il y a une conférence quand même, les gens, après, même si c'est une journée, la journée c'est avéré, on devrait quand même donner le temps aux gens de comprendre pourquoi ils sont venus. À la fin de la rencontre, on fait des résolutions, les gens approuvent ou désapprouvent, ce qui n'a pas été le cas. Docteur, ça c'est sur le plan national, est-ce qu'on peut parler de l'IRD au niveau local, le SAC dans son mot? Comment se porte-t-il? Est-ce que vous êtes ensemble au niveau du SAC? Bien sûr. C'est en Songo, je crois que nous, on se porte à merveille. Okay. On s'est mis d'ailleurs à l'abri. Hein. En Songo, s'est mis à l'abri. Le SAC dans Songo, on s'est parlé. La dernière réunion qu'on avait faite, on s'est parlé. On dit, nous, on va se serrer les coudes ici. Okay. En Songo, hier, en Songo, a toujours été une particularité pour l'IRD au niveau du SAC dans Songo. D'accord. On a été. Très très renforcé ces derniers temps avec beaucoup de militants qui sont venus. On a vu beaucoup de comités et vraiment en Songo, je ne peux pas dire qu'une ou deux exceptions près, 80% des membres du PEN, 90% des membres de la section sont ensemble. D'accord, docteur, nous arrivons pratiquement à terme de notre entretien. Et quel est votre dernier mot d'abord à l'intention du peuple malien, à l'intention de vos militants de l'IRD et également la communauté internationale et les partis politiques qui ne sont pas d'accord avec vous. Les partis politiques, c'est-à-dire qui ne sont pas d'accord avec... La transition, parce que vous soutenez la transition. Et s'il y a des partis qui ne soutiennent pas, quel est votre mot à l'endroit de ces camarades politiques? Les gens qui veulent aller aux élections, je ne sais pas quel est leur schéma. Je ne sais pas si c'est des gens qui sont en contact avec... des bases. D'accord. Et quand tu parles au nom de la politique, il faut avoir des éléments sur le terrain qui t'écoutent. D'accord. Si tu n'écoutes pas les éléments qui sont sur le terrain, ça veut dire que tu n'es pas un politicien. Je suis demeure convaincu que dans les zones comme en Songo, dans les zones comme Bandiagara, dans les zones comme Koro, dans les zones comme Nyono, où l'insécurité sévit, tu ne veux pas aller dire aux gens, allez-y aux élections. D'accord. Ok. Ok. Et parlant de cela, ce que nous devons tous souhaiter, en tant que parti politique, en tant que leader politique, c'est de souhaiter qu'il y ait des élections crédibles, moins contestées possible. Imaginons qu'on organise des élections tout de suite. Au Mali, les jeunes n'aiment pas perdre. Les perdants vont commencer à faire du bruit. On va dire que c'est la transition qui a mal organisé. Pour moi, ce n'est pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est de prendre le temps de corriger nos insuffisances, parce que les dernières, toutes les dernières élections qu'on a fait au Mali, ont connu quand même des insuffisances, même pas des contestations majeures, y compris le remplacement de Feu Ibrahim Boubacar Keïta, c'est suite à des élections législatives mal organisées. L'élection présidentielle de 2018, on a fait 4 à 5 mois en train de marcher dans le Mali. Je crois que ce n'est pas ce qu'on doit souhaiter. Tout bon Malien, tout bon patriote,
doit souhaiter à ce que le climat social d'abord soit apaisé, que les conditions d'organisation d'une élection soient réunies, que le pays soit relativement sécurisé pour parler d'élection. On doit soutenir les autorités à travers. Pour moi, si la CDA, moi je fais partie des gens qui l'ont dit, si la CDA était de bonne foi, notre problème, le problème du Mali, on connaît aujourd'hui, que ce soit CEDEAO, que ce soit communauté internationale, mais je ne vais même pas parler de communauté internationale, parce qu'ici, quand on parle au Mali, quand on parle de communauté internationale, on parle à la France, qui est la mère de nos problèmes. L'autre jour, à travers l'intervention de Choguel, j'ai compris que souvent, même quand nos militaires se font attaquer, ils n'ont pas le droit d'intervenir sans demander à la France, on a besoin d'appui arrière. Moi, je pense que c'est quand même inadmissible dans notre pays que nos soldats se fassent massacrer sur un tronçon et qu'on aille demander l'autorisation à une tierce personne qui n'est pas du Mali pour lui dire nos soldats sont en train d'être tués, on va intervenir. Ça doit être automatique. Nous devons avoir la maîtrise de nos airs, la maîtrise du ciel. Et donc, nous devons tous aider. Je ne vais pas parler de France parce que pour moi, la communauté internationale, c'est la France. Je regarde très souvent les positions américaines. Je ne suis pas sûr qu'ils s'alignent à 100% derrière les positions françaises. Il y a des alliances géostratégiques qui font certaines réactions. Nous le comprenons. Mais dans la grande majorité, tous ceux qui sont au courant de ce qui se passe au Mali ne sont pas d'accord avec les positions. Parce que le problème que nous vivons a été créé de toutes pièces par la France. Et je vous dis, je vous le répète, vous me croyez ou pas, si la France quitte le Mali, en un mois, vous aurez la fin du terrorisme à l'état actuel. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de banditisme. D'accord. Mais le terrorisme, comme on l'a connu là, comme on l'a vécu dans nos chairs, va finir. Ça, je vous le garantis. D'accord. Voilà. Votre dernier mot, docteur. Mon dernier mot, c'est que je demande à tous les Maliens et les militants du RD d'aider la transition à nous sortir de cette situation. On a tous nos positions. Moi, je suis IRD, j'ai ma position. Mais je ne voudrais pas que ma position politique soit mêlée, au devant du bonheur du pays. Parce que je pense que le bonheur du pays est en train d'être sur la voie. Sur la voie. Ce n'est pas une question, ce que pense la communauté internationale, notre problème. Moi, je l'ai toujours dit, faisons nos choix, assumons-les. Maintenant, c'est à ce moment seulement qu'on pourra dire que le Mali a failli. D'accord. Mais beaucoup de gens disent Ibeka a failli. Ibeka a failli parce que Ibeka a fait tout ce que la France lui demandait. Tout, y compris le choix de son premier ministre, y compris le choix de son ministre des Affaires étrangères. Et quand ces gens-là agissent mal, très souvent ils ne peuvent pas les toucher parce que c'est la France qui a dit. La France aussi ne compte que sur la communication, pas sur l'action. Chaque fois qu'elle est concernée, elle compte de communiquer, on a tiré ses chefs. Ça n'a aucun impact. Moi, je les ai dit, je vois encore quand je venais encore une communication. Laisse-moi finir, vous m'avez écouté. La communication ne remplace pas l'action. Nous, on ne va pas écouter France 24, on ne va pas écouter RFI. On va regarder l'impact de ce que la politique française sur nos vies. Elle est négative, elle est destructrice, pas seulement sur l'Afrique, pas seulement sur le Mali, sur le Niger, d'accord, sur le Burkina Faso, c'est la présence française qui est en train de nous déstabiliser. Je n'ai aucun lien avec les Russes, je n'ai aucun lien avec les... Je n'ai jamais vu d'ailleurs les Russes directement pour parler avec lui. Je n'ai jamais bien sûr. Mais la politique, le trou dans lequel on est imputable à la France à 99,99%. Salam alaikum. Alaikum assalam, docteur, merci beaucoup pour votre présence dans mon studio. Et Gawaï, vous dit merci. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers cette émission Invité du jour. Merci et à très bientôt avec un autre invité. Merci et bye bye.